On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Crains rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Ah, oh, c'est pas vrai. Quel est le connard qui a fermé ça? Désolé, on va devoir faire le tour. Hé, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non, merci. Je te laisse. Ah. Écoute, avec moi, tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques d'Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça! Du calme. Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je vais à l'abri. Viens. Allez, c'est par là. Capitaine, la charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le STARS. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Mikhail Victor, chef de peloton de l'UBCS. Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde, isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Et je fais ça pour eux, pas pour vous. Hé, hey, oh! On veut tous la même chose. Merci, Jim. Bon, super flic. Prends ça. On servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, un Toki. Bon, faut pas perdre de temps. Va falloir t'équiper. Dirige-toi vers la sortie. Tu trouveras du matériel. Ok. Carlos, t'es sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan, alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris. Je me dépêche.
vivant. Faut qu'on fasse repartir ce métro. Principal, faut que j'aille où? Tu vois une tour de transmission? C'est la sous-station. Tu vas devoir prendre une allée sur la droite pour t'y rendre. Tu veux dire, celle qui est en feu? Peut-être. C'est pas de ma faute si ton regard de braise a encore fait des ravages. Oh, va te faire voir. Faut que j'éteigne ça. Yeah.
Être les bureaux de la compagnie de métro. Thank you.
sortie de l'UBCS? Ouais, doucement. Ah. Me regarde pas comme ça, je suis pas infecté. Ok, fais-moi voir ça. Non, 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 attends! Ah! Putain, mais ça va pas! Il était infecté. Il était peut-être infecté. Vous êtes tous comme ça, Stars? Je comprends pourquoi vous vous faites tuer. Et vous alors, à l'UBCS? Vous vous tuez entre vous, c'est ça? Il allait se transformer. Tu as envie de mourir jeune ou quoi, toi? Retourne plutôt à la station de métro. On n'a pas besoin d'une âme sensible comme toi dans les pattes.